rappeler, open la Bible. Et rapidement ouvrons nos Bibles. Book of Daniel. Dans le livre de Daniel. Daniel chapter 10. Daniel chapitre 10. I started reading to you from verse 11. À partir de verset 11, je lis. And the man said to me, Daniel, you are very precious to God. So listen carefully to what I have to say to you. Stand up, for I have been sent to you. When he said this to me, I stood up, still trembling. Steward. Then he said, remember they are saying he, not it. Amen. Permit God to enlighten you here within the literacy sense here. Laissez que Dieu vous éclaircisse ici avec la littérature du fait là. He said that what? He is directed to what? His personality. C'est un pronom personnel. Is directed to a human being, a personality. But if it is something like a spirit or any other thing, he will say it. S'il s'agissait d'un esprit, he will say what? It. Follow up. When he said this to me, I stood up, stood trembling, cough. Then he said, don't be afraid, Daniel. Since the first day you began to pray for understanding and to humble yourself before your God, your request has been heard in heaven. I have come in answer to your prayer. Hey! Listen. I am coming, what? Answer to your prayer. Je suis venu sur tes prières. Daniel, chapitre 10, verset 11 et verset 12. Puis, il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. Listen. Écoutez. That verse 11. Let us look at it together. Le verset 11. Ah. Is somebody falling off? Est-ce que quelqu'un suit? If you are falling off, can I hear loud amen? Amen. No, the amen is not louder. Amen. Amen. Okay, it's louder. Let it be thundering. Let the amen be thundering. Okay, okay. Let the amen show that you are beginning victory. Voilà les premières caractéristiques d'un croyant du roi. Vibrant and authoritative. Tu dois être vibrant et autoritaire. That is the characteristic of our Lord Jesus Christ. Voilà les caractéristiques de notre Seigneur Jésus Christ. Et il ne fait never sleep no slumber. Si on dit qu'il ne dort pas et qu'il ne sommeille pas. God does not sleep no. Dieu ne dort pas et ne sommeille pas. Always vibrant and up. Il est toujours vibrant et éveillé. Listen. If you are not vibrant, you cannot watch over your television. Si tu n'es pas vibrant, tu ne peux pas bien veiller sur ton téléphone. Écoutez. If you are not vibrant, you cannot watch over your television. Si tu n'es pas veillant, tu ne peux pas bien veiller sur ton téléphone. And as you cannot watch over your television, they will do something there before you know it. Et quand tu ne peux pas veiller, on va faire quelque chose avant que tu ne t'en rendes compte. Every vibrant man is always up. Tout homme vibrant est toujours éveillé. Watch it. Il veille. Pray. Il prie. Watch it. Il veille. Don't touch. Don't touch. Ne touche pas. Don't we are at search. Somebody is searching for believers. Donc nous, quelqu'un à notre recherche. Can Satan devour an unbeliever again? Est-ce que Satan va encore dévorer un non-croyant? Unbelievers are already devoured. Les non-croyants sont déjà dévorés. So this devour here is talking to believers. Donc dévorer ici là, ça tient ce croyant. Verify or not? Hein? C'est vous qui cherchez. Satan vous cherche, n'est-ce pas? To devour you. Pour vous dévorer. Non, ce n'est pas moi. Si ce n'est pas moi. I broke your heart. Non, ça ne me. Ce n'est pas moi. I broke your heart.
chose ici. Chapter 10, verse 11. And the man, who stop, said, are you getting it? Lis en français. Puis il me dit, il me dit, il y a pas français, and the man said, hein? Il y a pas français, what? And the man said, for you say, and he said, he is who there? Il s'est dit là-bas. Et il y a pas français, and the man said, let me see, hello. Si ta version dit, et l'homme a dit. Show your hand up if your version is it, and the man said. Si ta version a dit, et l'homme me dit. If your version is it, and he said, let me see, hello. Si ta version dit, puis il me dit, il est dans mon touche. People are doing trial, you are going to say what? Il y a des gens qui sont neutres ici là. Qu'est-ce que vos versions disent? Hein? The angel! L'ange me dit. And he! Oui, il me dit. And the man! Et l'homme dit. Was Daniel sleeping or awake? Est-ce que Daniel dormait ou il était éveillé? Was Daniel sleeping or awake? Est-ce que Daniel dormait ou il était éveillé? Let us be active. Soyons actifs. Was Daniel sleeping or awake? Est-ce que Daniel dormait ou il était éveillé? Because he was at prayer. He was where? Prayer. Est-ce qu'il était dans la prière? Was Abraham sleeping or awake when the angels appeared to him? Abraham dormait ou il était éveillé quand les anges lui ont apparu? Abraham, how many people get? How many? Abraham, oui. Combien de personnes? Trois. Amen. Trois. Trois. They were going to destroy Sodom. Ils allaient détruire Sodom. But there is a man that needed to pass through first. Mais il devait passer par, d'abord par là. And hear his opinion first. Et d'abord consulter son opinion. Oh, when God loves a man on earth, can't you have that man? Non, sur la terre, vous en savez pas. Am I with somebody here? When God loves a man, don't jump with that. They would have passed straight to Sodom. But they came through Abraham. Abraham! What are you saying? Et ils ont demandé à Abraham, qu'est-ce que tu dis? Abraham kept on reducing the destruction. Abraham a continué à réduire la destruction. Réduire la destruction. Until Lot was saved. If not, jusqu'à ce que Lot a été sauvé. I am telling you that there are certain men on earth when God has placed his love upon that man. Don't you? Don't you worry. Because the life you'll be living is not the life the man is living. Parce que la vie que vous menez n'est pas la vie que cette personne mène. Are you hearing? Est-ce que vous entendez? By the time you are eating your salad fish, quand vous mangez votre salade de poisson, stretching yourself, vous dormez, the man vous mangez, vous relaxez. The man the fast of God, il est là, il jeûne sur la montagne. Only for you to come and begin to say things against the man. Pour que vous veniez mal parler de cet homme après. C'est terrible. By the time you are sleeping and snoring, the man is awake sending prayer on your head. Quand vous dormez, vous gonflez, il est là, il prie. Only for you, after you are finished snoring, you get up. Et après, man of God, they are disturbing too much the whole place. You slept because of the man. Listen to the declaration of the angel there. Écoutez la déclaration de l'ange là-bas. Daniel, you are so special to God. What is your question saying? Your question says, a man clearly beloved by God. Daniel, you are so special to Daniel, tu es très spécial pour Dieu. Since the first day, depuis le premier jour, you started praying, Daniel. Où tu as pris à cœur de prier, Daniel. We heard your prayer. Nous avons écouté ta prière. God has heard your prayer. Tu as écouté ta prière. I said the Lord has heard your prayer. Je dis, le Seigneur a écouté ta prière. The problem is that God hears your prayer. That's all. Le problème c'est juste que Dieu écoute ta prière. C'est tout. No matter, this is where we are talking today. No matter the situation. Quelle que soit la situation. No matter what you are facing. Quel que soit ce que tu traverses. The drive from men. But retreat from men. Retreat-toi des hommes. Go away from men. Éloigne-toi des hommes. And go to God more. Et rapproche-toi plus de Dieu. No matter what Daniel was facing. En dépit de ce que Daniel traversait. Daniel
knew Daniel savait that his lifespan, his life, if he could stay longer on earth, c'était it is in the presence of God. C'était en la présence de Dieu. It is God, not his talent. C'est Dieu, pas son talent. Anyway, I want to inform you that Daniel was an administrator. J'aimerais vous informer que Daniel était un administrateur. Working in the ministry, working with the government. Il travaillait dans le ministère et avec le gouvernement. I know most people that work with the government, they recruit them through their work. Je sais educational background. Par le background scolaire. So Daniel was an administrator. Donc Daniel était administrateur. Working with the government. Il travaillait avec le gouvernement. But did not join to the occultism of the government, but rather taught the government his God. Il ne s'est pas joué à l'occultisme du gouvernement. They should not magnify whatever before you. On ne doit rien magnifier devant. Remember ce soir. Remember something. Rappelez-vous quelque chose. Are you connected? Est-ce que vous êtes connecté? The whole nation was there. To la. And then they placed a God. Et on a mis un Dieu. And everywhere was booming. The worship of that God was booming everywhere. The president of Nebuchadnezzar was present sitting on his throne. The administrators, the prime minister, the minister, the governors, all of them gathered. They passed me more. In fact, everywhere was in an uproar. Et partout était dans l'attention. Don't be influenced by that thing. Mais ne soyez pas influencé par ça. Combien d'entre vous pouvez vous tenir de cette façon? How many? Combien? You are here to what will give you continuity of life, which is faith one. Vous allez être ce qui va vous donner la continuité de la vie. Most people, when you will face with threat and danger, beaucoup de gens, lorsque vous êtes menacés, vous êtes dans le danger, you will denounce Jesus and worship their God. Vous allez renoncer à Jésus et vous allez adorer leur Dieu. Yes, many. Ils sont nombreux. If the point you go now, toi! Now go this. Si on prend de l'arbre sur vous maintenant. Catherine, get it. Et qui a la chance de vous. You don't go. Si j'appuie sur la détente. Will you still worship Jesus? If you say yes, go. Ha! If you say no, we go spoil your life. Which one you talk? Qu'est-ce que tu vas dire? Which one? Oh! Which one? That is where you see the real worship. C'est là que vous allez voir la vraie adoration. Vous allez voir les vrais adorateurs là-bas. Even a gun point. Even a gun point. Même si c'est l'arme qui est pointée. Even a gun point. Même si c'est l'arme qui est pointée sur vous. Daniel said, Daniel, Lord, my soul is in your hand. Mon âme est entre tes mains. Lion passe, gone on. Le lion dépasse. Do you know that? Est-ce que vous savez cela? Lion passe. Le lion dépasse son fusil. Because lion eat you all. Parce que le lion vous dévore complètement. God might shoot you and then repent that part of your body. Non, mais si vous voyez ma part, c'est que vous ne comprenez pas ce que je dis. The Bible said before the other accusers of Daniel were crying, they had them in the air. Avant que les autres accusés, they had the one in the air. So lion will finish you with your bones. Donc le lion te mange jusqu'à tes os. But God, it can même be shoot you on your leg, then repent. Mais avec le fusil, on peut faire une guérison. Et que la balle touche son pied. Et on... Daniel said, lion. Daniel a dit lion. My God created you. Mon Dieu t'a créé. If he gives you appetite, s'il te donne l'appétit, to eat me because I'm worshiping him, pour me manger, that means my life was supposed to end today on earth. Ça veut dire que ma vie devait se terminer. No matter how I will try, peu importe comment je vais.
ma vie de l'infini. But if it is that I have more things to do, mais si j'ai to give glory to God more, pourquoi la vie de l'infini? God will not give you appetite to eat. Non, mon Dieu ne va pas te donner l'appétit pour manger. The day God will open the book, le jour où God was and deny God accepted, deny God accepted. Because of environmental influence, because of certain things around, most of us have been ashamed to show our God in the public. But in the church, that's why you don't pay your eyes, sing, shout, clap, jump everywhere. But in the public, that is not the same. Mais en public, je peux pas you are in the public and you will be gloriously honored in the public. C'est là en public que tu seras glorieusement honoré en public. Why should we hide our God in the pocket? Pourquoi est-ce que nous devons cacher notre Dieu dans la poche? Pourquoi? When the public people are showing their own in the daylight. Alors que les autres montrent leur Dieu en public. We are so special. Look at what brings speciality of a man in front of God. So, because Daniel did not reserve. Daniel went in soul, body, flesh, everything to show his God. Ce qui montre la spécialité, Daniel s'est soumis, il a soumis son corps et tout. The Bible not spoke of speciality. God, hey. Daniel, you are so special to God. How did the angels know that Daniel is special to God? Comment est-ce que les anges savaient que Daniel était spécial pour Dieu? How did the angel know that Daniel is so special? Comment est-ce que les anges savaient que Daniel était spécial? From where? The angel heard the meeting. Heard the discussion about Daniel. And God said, go. Tell Daniel he is special to me. Les anges ont entendu la discussion concernant Daniel. Et Dieu a dit, allez, dites à Daniel qu'il est très spécial pour moi. Très spécial. Il est très spécial. God gave my time. God gave my time. Who can do whatever? Tu as mon temps qui doit faire la position. Acclamez pour Jésus-Christ. If God gets my own time, si Dieu a mon temps, if God loves me and knows me, si Dieu m'aime et me connaît, the earth can say whatever they are saying. La terre peut dire ce qu'elle veut. Somebody knows me. Quelqu'un me connaît. I'm happy about that. Et je suis fier de cela. Listen. Écoutez. When the devil sees our worship to God, lorsque le diable voit notre adoration, so weak, lorsqu'il voit que c'est faible, strengthless, qu'elle est sans force, not too close, il n'est pas très weak, push, he will come to attack you with full strength. Il va venir vous attaquer avec toute sa force. Many things people are suffering today. Beaucoup de choses dont les gens souffrent aujourd'hui. Because their closeness to God is weak. Parce que la proximité envers Dieu est non strength. Il n'y a pas de force. Pretentious even. Elle est même prétentieuse. That's why the devil found himself into your camp. C'est pour cela que le diable s'est retrouvé dans votre camp. If the devil looked, si le diable and saw God so strong in your camp, et qu'il avait vu que Dieu est affermi dans votre camp, no way to attack. Il ne pouvait pas attaquer. Just no way to attack. Ce serait impossible qu'il attaque. No way. Impossible. When you face tension, lorsque je fais face à des tensions, persécution, à des persécutions, you face trouble, à des problèmes, go away from man environment. Éloigne-toi de l'environnement des autres. Take time with God in prayer. Prends du temps avec Dieu dans la prière. But when you do that, en faisant ceci, you will receive reorientation of life. Tu vas recevoir la réorientation de la vie. You will receive what? Tu vas recevoir reorientation of la réorientation de la vie. Bible will reorientate your life back to the right strength, to the right path, and the right channel. Sur le bon sentier. Trouble, left and right, and all kinds of persecution. Et d'autres et toutes sortes de persécutions. Has orientated you to a wrong path and destruction. Donc, il y a des mauvais, mauvais sentier et la destruction. Mais lorsque je fais face à cela, to God in prayer. Retourne à Dieu dans la prière. And God will reorientate your life back. Et Dieu va réorienter ta vie. The Bible says when the disciples were persecuted. La Bible dit que lorsque les disciples furent persécutés. In the book of Acts. Dans le livre des Actes. When the disciples were persecuted. Lorsqu'ils furent persécutés. They gathered together in one room. Ils se sont rassemblés dans le temps. Ils ont prié. And the earth was shaken with earthquake. Et la terre a tremblé de son nom de terre. Persecution reduces your boldness. La persécution réduit ton zèle. Persecution reduces your faith.
La persécution réduit ta foi. Persecution reduces your belief. La persécution réduit ta foi. Why are you persecuted? Pourquoi es-tu persécuté? So that you should not look at the direction you are looking again. C'est pour ce, pourquoi tu ne regardes pas la direction où tu regardes. Nobody can change my life. Personne ne peut changer mon nom. Nobody can change my life. Il y a quelqu'un, personne ne peut changer mon nom. Nobody can change my direction of life. Personne ne peut changer la direction. I have decided. J'ai décidé. To serve Jesus Christ. Servir Jésus Christ. All the days of my life. Come rain, come sun, I have made up my mind. Qu'il neige, j'ai pris la résolution de servir Jésus. All the days of my life. Tous les jours de ma vie. Always gather. Always do what? Gather in the presence of God. Always gather in the presence of God and pray. Et prier. God will orient you back to the right path. Quand tu fais cela, Dieu va te réorienter vers le bon chemin. When you are facing that, lorsque tu fais face à cela, and you continue in what you are doing, et que tu continues dans ce que tu fais, certainly, certainement, you will crash. Tu vas faire un crash. You know what? Crash. Tu vas faire un crash. Stop. Lord, what are you saying? Arrête-toi, Seigneur. Qu'est-ce what que should I do at this point in time? Qu'est-ce que je dois faire à ce moment donné? Everyone is persecuting me. Partout, je suis persécuté. What should I do? Que dois-je faire? Let me read it to you. When it's time to gather, book of Acts, open to the book of Acts. Alors, le livre des Actes, lorsque les disciples se sont rassemblés. Acts chapter 4. Actes chapitre 4. Let me read it from verse 27. Are you there? Partie de verset 27. In fact, this has happened here in this very city. For Herod Antipas, Petrus Pilate, the governor, the Gentiles, and the people of Israel were all united against Jesus, your holy servant, whom you anointed. But everything they did was determined beforehand, according to your will. And now, O Lord, hear their threats. Hear their what? Hear their what? Hear their threats, and give us your servant great boldness. In presence, make your request. Great boldness in preaching your word. They were persecuted because of what? Preaching the. On est persécuté pour quoi? Why were they persecuted because of what? Oh, somebody is not talking. Quelqu'un ne parle pas. Why were the apostles persecuted? Pourquoi les apôtres étaient-ils persécutés? Because they were doing something. Preaching the word of God. Ils prêchaient la parole de Dieu. Did they resign from preaching the word of God? Did they resign? De prêcher la parole de Dieu. They gathered and received more strength. Here the Bible says, 30, stretch out your hand with healing power. May miraculous signs and wonders be done through the name of your holy servant, Jesus. 31, after this prayer, the meeting place shook and they were all filled with the Holy Spirit. Then, he preached the word of God with boldness. Say thank you, Lord Jesus Christ. Dis merci, Seigneur Jésus Christ. What you are doing, ce que tu fais, might be giving glory to God. Peut rendre gloire à Dieu. While that thing is giving glory to God, et quand ces choses rendent gloire à Dieu, whether you like it or not, que tu ne veuilles pas, that thing must face persecution. Cette chose doit faire face à la persécution. Never. Never. When you are taking on an activity, lorsque tu prends une activité, and that activity is giving glory to God, et que cette activité rend gloire à Dieu, whether you like it or not, que tu le veux ou pas, Satan must come to persecute you. Satan va venir te persécuter, so that you stop it. Pour que tu arrêtes de faire cela. But you know what you are doing. Mais si tu continues de faire, press on, go on, continue, and you finally achieve it. Et tu vas finalement accomplir cela. Fire to fire. You go cast more fire to fire. What I know that what I said in Hunger. Can I show you that is happening? No, I heard. Tell somebody, I heard. Until you hit the mark. Jusqu'à ce que tu frappes la cible. Persecution in our life, la persécution dans nos vies is a proof, est la preuve that we are of God.
que nous appartenons à Dieu. Quand les gens sont persécutés, toi qui n'aimes pas encore les bandes, quand la persécution commence, on est dit, les gens sont persécutés. If you are of the ordinary, they will talk good about you. Listen, if you are of the ordinary like them, si tu es de l'ordinaire comme eux, they will talk good about you. Ils vont parler de bien de toi. Because you are matching with them and their activities. Parce que tu t'alignes avec eux. But when God chooses your signature, mais quand Dieu te choisit, He anoints you and changes you. Il enlève le voile, tu vas voir la différence et maintenant tu vas faire partie à l'extraordinaire. And us that belong to the extraordinary team. Et nous, non, mais ce n'est pas ça. No, it will frighten you sometimes. Parfois, des frères. Nous avons dit papa des noms. C'est nous qui n'avons pas hier, il a donné une bonne worship de Dieu. Il dit, mais non, c'est ça. Ça, c'est ça. Ils disent, n'est-ce pas, c'est ici qu'on a commencé à déposer des choses, maintenant tu veux faire quoi? Eh, j'ai papa. Dis-le, yes. Papa. I don't make that error of the past. Oui, j'ai fait cette erreur dans le passé. But I don't know now, say it, not correct. Mais je sais maintenant que ce n'est pas correct. À la fin, on a dit, non, correct. Je vous dis que ce n'est pas correct. Yeah, I'm not it. Begin. You know what it? Look at the body yesterday. La fin, si tu veux quoi, n'est-ce pas, t'as bouché hier. What do you know? Qu'est-ce que tu sais, même? We are talking like old people that will know this thing. Why man don't come forward now? On parle comme les anciens, le blanc est venu vous tromper. Those papa they can talk you out of Christ if you are not strong. Ces pères veulent te dévier de Christ si tu n'es pas fort. Imagine! Don't you grow no such thing, a white man right now? Oui! Ah, c'est le blanc qui écrit toutes ces choses. Laisse ces choses. Ah, get up! Attends, laissez papa. Je me lève, je lui dis papa. You are wrong. Tu as tort. Yeah, I will show you that the gospel without power is not real gospel. C'est pour cela que l'évangile. I will show you that this is not white man writing. Je vais te montrer que ce n'est pas. I will show you that this is the Holy Ghost writing. Je vais te montrer que c'est not white man writing. It is the Holy Ghost writing. Ce sont les Écritures. Holy Ghost writing. Holy Ghost writing. Get the message. Mais c'est le Saint-Esprit qui a donné le message sur les Écritures. Même moi. Moïse a dit, laisse-les en bas, ce n'est pas le temps. Il a approché. Lorsqu'il allait, we know only woman that was there. Moses. And then the Bible said, God wrote the commandment on a stone tablet. Et la Bible dit que Dieu écrit les commandements sur pierre. If you don't know, you need to also read the word of God. Vous devez aussi lire la parole de Dieu. If you don't read it, those papa, they will cut you. But if you don't bless them. Before you know, don't move your clothes, they start rubbing camwood. Papa va vous dévier. They start rubbing camwood for your skin. Pull you at dinner for a bit. And then they capture the God of the water, the ancestral fathers. Then you come. When they then call you about the gospel, see, I am a bit busy, I will be looking for time to come. Et quand ils seront finis de vous charmer, pastor, give me some time now. Pastor, laissez-moi le temps. I'm a bit busy. I'm so busy. I have some meetings. J'ai des réunions. But when they call you about tradition, come meet me in my house. Bon, c'est vrai, c'est how much do they need? On a besoin de combien? All these pastors that have been eating my money. Tous les pasteurs qui ont mangé mon argent. I need to give it back to the tradition of my village now.
Tu vas nous voir pour te dire que tu es le title de la ville. Eh oui, mais quand on court. Non, ta tête est lente. Au cours de Fogo, la soeur de Tamando, la soeur de Tim de Penny au bar maintenant. When the devil knows that you like Christ, they will take you to a bright kingdom and give you title. Ils vont mettre des choses à like title. La terre de plein de gens qui sont orgueilleux aiment les titres. Small currency that God has given you to be helping your life and the one of your family. As you go back, big motor for village. Un petit agent for the same way, this one we did. Bring up, we'll get another title for kingdom. Bring up. For country Sunday, will you give title then? No, no, for country Sunday. You give title. The old cap, the. Would you? Then, not to bother, we have enough cap and feather. You come. The Simpson song offer you to their kingdom. You don't know, you're giving you the singer now. Huh? Et ses anciens ont chanté certains chants et t'offrir à leur royaume. They don't receive you. Bougou, they have received their children. Bougou, receive the toi. And they announce it in their kingdom. Naou, mon gars! Et tu es menacé dans leur royaume. Naou! Qui a les sourcils, c'est toi. Dancing in their altar. I want you to dance over some way. Let me say you like the team. Et quand tu vois d'une certaine façon, ça veut dire que tu aimes cette chose. C'est toi qui t'es offert. They somebody beware of their traps. Dis à quelqu'un, sois au courant de l'église. Now, I did that. It is tradition of the village. Not the tradition. I am coming to be occultism of the village. C'est le cultisme, ce n'est pas la tradition. Fight it with all your strength. Combat cela avec toutes tes forces. Fight and rub it with all your combat cela avec toutes tes forces. Thank God we are not living there. Dieu merci, on ne les laisse pas. Amen. Amen. I want us to understand. J'aimerais que nous comprenions. Hold tight to God. Attachez-vous à Dieu. Hold tight to God. Attachez-vous à Dieu. In all tribulation. Dans toute tribulation. Persécution. Des persécutions. Give reference to God. Rendez révérence à Dieu. Tiger. The wave must pass. La vague est en train de se faire un chemin.